Pico, il vient le tien. Les deux sont là. Ça vient, les deux sont là, beaucoup le tirent.
Allez, vous êtes nombreux là à nous rejoindre pour ce dernier match là de la journée sur le central. Dernier match du tableau masculin, dernier huitième de finale avec nos bébés, les fameux bébés, Blanqui et Bergeron, les multiples champions de France. Et vous voyez à quel point là il démarre très très bien ce match. Déjà un break face à la tête de série numéro 7 hein, du tournoi. Quelle intensité là qu'ils mettent en début de match. Et Bastien Blanquet, impressionnant en sortie, je suis d'accord, c'est une de ses spécialités, hein. Tout le monde le sait, tous les joueurs le savent sur le circuit, spécialement français, il est connu pour ça. Et le public en folie, on l'entend, le public là qu'encourage énormément, beaucoup de bruit là, du monde dans ce stade pour encourager le Lyonnais, Johan Bergeron. Pas très bien ce match. Et occasion là pour nos Français de confirmer leur break. Et oui, ce match-là, hein. Parfait. Quelle entame de match là de nos Français. 3 jeux à 0, un break d'avance déjà. Ah, c'est bien. Ils le savent, hein. Ils savent qu'ils peuvent aller chercher ce match, ils savent qu'ils peuvent aller chercher ce quart de finale. Et tout Lyon, ouais, vont être derrière eux. Ils vont les pousser. On voit qu'ils sont coachés, hein. ils sont coachés par Monsieur Périllon, Pierre-Étienne Morillon, pardon, excusez-moi. On fait un petit mixte. Qui a déjà coaché hein, hier pour aller chercher cette déjà belle victoire, déjà belle performance hier. Hein. Deux matchs. Hein. Deux matchs contre plus fort qu'eux sur le papier. Mais ils vont le faire. Ça
Ah, c'est bien là, hein. C'est bien. Ils mettent une pression là. Ils mettent une pression aux joueurs en face. C'est pour se retrouver déjà à 0-30. Eh bien, c'est si. Touche pas. Allez, ils se reprennent bien dans ce jeu, les Espagnols. Après avoir été menés 0-30. Il gagne ce premier jeu. Premier jeu de la partie, 3 jeux à 1, toujours un break d'avance pour nos Français. Ouais, c'est bien, ils gardent. Hein. Ils savent que c'est en étant agressif là qu'on pourra faire la différence de toute manière. C'est parfait, c'est parfait. Quel match, hein. Quel match de Johan. Sa force, hein. C'est pour ça qu'on sait que Bastien et Johan peuvent aller chercher les meilleures équipes là du tournoi. Très, très puissants les deux. Ah, regardez, voilà. Eh oui, eh oui. L'homme un peu moyen et c'est terminé. Il aura très, très peu. Hein. Il est d'une efficacité redoutable, hein, sur les smatchs, Johan. Et en plus, là, ça laisse aucune opportunité, hein, aucune fenêtre ouverte. Ouais, ouais, c'est si elle sort. Allez, c'est pas grave, hein. On l'a dit, hein, ce sont... Tant que le pourcentage est plus élevé de ce match réussi que de, match de ce, que de ce match contré, c'est plus important. Hein. Allez, faut les booster là, faut les booster, faut les motiver. Voilà, le public qui pousse un petit peu là sur ce jeu un peu plus compliqué de service. Ils vont devoir sauver une balle de débreak, point décisif. C'est dommage. Dur là. Dur ce débreak de nos Français. 3 jeux à 2. Les Espagnols qui reviennent dans la partie. Allez, c'est pas grave. Hein. Ça va rester positif. Allez, une petite pause. Une petite pause publicitaire. Avant de revenir dans ce match incroyable, hein, qui nous attend, hein, clairement.
nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Allez, on est reparti. Alors, qu'est-ce que porte Johan aux chevilles ? Il a des chevillères, il a toujours eu des chevillères. Il y a quelques joueurs de paddle qui portent des chevillères comme ça tout le temps pour jouer. Les joueurs et joueuses un peu connus pour ça, Bella Stegin par exemple, qui en porte tout le temps, Martha Maero aussi. Que quand on a les chevilles un peu fragiles, le paddle, on est vachement sollicité au niveau des chevilles, sur les appuis. Donc si on les laisse un peu fragiles, c'est bien de les protéger tout le temps. Allez, trois jeux partout, ça revient dans le jeu. Ils reviennent là dans le set après trois jeux de suite de perdu. Les joueurs classés Jairo Bautista, le grand joueur qui vient de ce matcher là, le joueur de gauche. Classé lui. Classé 35e au classement mondial. Quant à Guerrero, 41e mondial. Donc vraiment. Ils sont clairement pas favoris sur le papier. Bastien et Johan. Très grosse paire. Hein. Tête de série numéro 7 du tournoi. La touche. C'est bien ça, c'est bien, c'est parfait. Ah, c'est bien commencé là, hein, ce jeu de service. C'est important après la perte de ce jeu, de ce break. Allez, ça sort. Allez, c'est bien. C'est bien là. Ils se remettent dans le game. 4-2-3. Ah, écoute, Freeze, j'essaierai de faire en sorte de moins le faire. Je suis désolée, je suis pas commentatrice professionnelle, hein, je suis joueuse aussi. Donc je fais du mieux que je peux. Hein. Je fais du mieux que je peux avec tous les matchs que j'ai à commenter. Donc si je suis un peu fatiguée, que je rajoute un peu de 1 ou de E à la fin, désolée, ça te dérange. On fait le max, hein. On fait le max et oui, on a déjà la chance que ce soit télévisé sur un Fib Gold et commenter tous les matchs de la journée. Hein. Donc voilà, pardon si ça te dérange.
Et non, il n'y a rien de misogyne. Hein. Je prends pas du tout ça pour quelque chose de misogyne. Je pense pas être la seule. Je pense pas être. Je pense qu'il y a des hommes qui le font aussi. Hein, donc il n'y a pas de problème. Quel revers là! Quel revers! Ce beau revers à deux mains là. Nous font rêver là pour l'instant. Hein. Allez, c'est bien là, 0-30. Il continue, hein. Il continue à mettre cette pression constante sur les Espagnols. Et ils tremblent un petit peu les deux, ils forcent un petit peu quand la balle est en l'air pour l'instant. Quelques fautes sur les smash. Quelle volée là! Quelle agressivité sur cette volée alors qu'il est tellement excentré du centre en plus. Bastien qui va chercher au corps, le corps, hein, une zone tellement importante au padel. Allez, 4 balles là. 4 balles. 4 balles pour aller chercher ce break et servir pour le gain du premier set. Encore, hein. Encore, encore des possibilités. Et oui, et ça y est, encore une fois ce break. Au meilleur des moments pour aller servir pour le gain du premier set. Ils sont impressionnants sur la présence physique sur le terrain. Vraiment, je trouve Bastien hyper présent, qui prend de la place, qui avance à la volée, qui arrive en plus à accélérer au corps, mais à être présent sur la volée suivante. C'est volé. Déjà la première là, quel effet il met sur la volée. On voit à quel point les joueurs peuvent mettre de l'effet en préparant très haut sur une balle qui arrive au-dessus du filet, ça c'est important, hein. C'est la préparation qui fait tout. Plus vous allez préparer haut, pas forcément très loin, mais surtout très haut sur une balle assez haute. Et celle-ci qui sort. Et ça sort. Encore une fois, hein, la présence à la volée et la place que prend Bastien en volée de coup droit. Pour un joueur de gauche, c'est extrêmement important. Et là, il est allé chercher la volée de coup droit du côté de Johan. Allez, on est sur 3 balles de 7 là. 3 balles de 7.
C'est bien contré. Pas grand chose à dire. Encore deux. Un rebond défavorable hein, sur la grille. Il s'en veut, hein. Il s'en veut, mais c'était le jeu. Malheureusement, mauvaise zone. Le rebond sur la grille, ça aurait pu remonter, hein. Ça n'a pas été le cas. Ok, ça revient dans la raquette, c'est pas grave. Allez, tout de suite, hein. Joe qui vient voir Bastien. Il veut dire, c'est pas grave, allez, on se concentre sur ce point-là. Encore une, encore une. Quelle interception là! Quelle interception! C'est pareil, hein. Le joueur de gauche, Jairo, qui a pris de la place sur la volée de coup droit. Alors je ne sais pas si Sébastien avait dit à Joe qu'il montait. Aucun souci, Freeze, ne t'excuse pas. Vraiment, je pense que c'est juste moi la fatigue avec le nombre de matchs que j'ai commenté et que ce tic verbal revient un peu, mais promis, je veux faire l'effort. Aucun problème. Merci Léo d'avoir répondu pour Tomalek qui a perdu effectivement cet après-midi face à une bonne paire hein, qui a fait son match. Ils l'ont dit eux-mêmes hein, en interview qu'ils avaient très bien joué. Donc voilà, il a fait son tournoi. On voit quand même beaucoup de retours smash dehors, c'est à mériter. Alors les retours smash, Freeze, tu parles des contre-smash, c'est ça? On parle des contre-smash, donc sur les smash tentés par les joueurs. Ah, c'est le jeu après, c'est le jeu surtout, le padel masculin aujourd'hui. On va avoir hein, beaucoup de smash qui peuvent être contrés, ça va tenter. Ah, parfois malheureusement, contré par les joueurs en face. Quelle réaction Thomas, j'ai même pas eu le temps de répondre sur les classements. Même pas eu le temps. Et ils sont exactement 35, donc 35 Rairo et Guerrero 41e. Les deux sont de Malaga. Pas mal de tournois hein, déjà ensemble. Ils ont fait 16e de finale au maximum sur les premières paddles. Pas mal de tableaux principaux sur les premières paddles. Perdu au premier tour de tableau hein, à Roland-Garros, en Greenwiz. Ça se prend, 15-30. De la réussite après, c'est la grille qui remonte ou qui remonte pas. C'est aussi arriver à être précis hein, dans les moments clés. C'est jamais facile, surtout quand on a une balle facile, on ne peut pas avoir tendance à se précipiter, à pas être extrêmement précis sur la zone. Le retour qui rentre. Et ça sort en haut. Allez, deux balles de 7 pour les Français. Poussés par le public ici à Lyon. Ils sont chauds. Les amis, la famille, la Dojo qui sont tous venus pour l'encourager, pour aller chercher cette victoire. Ouais, il n'a pas réussi. Joe Henry, il n'a pas réussi à l'éviter, il a tout fait là pour éviter la balle.
Et c'est fait, et c'est fait. Énième faute hein, en ce match. Et c'est le feu ici, c'est le feu. Premier set pour nos Français face aux 41e et 35e mondiaux. Ah, c'est génial, c'est génial. Ça va ambiancer ce stade, moi je vous le dis. Là, là, le public va être on fire. Ça, c'est clair et net. Allez, petite page publicité. Et on revient tout de suite. On voit d'abord les statistiques de ce premier set. Allez, hein, devant, hein, devant sur tous les domaines. Dominateur, nos Français, pour le moment. Soit dans le nombre de points gagnés, le nombre de balles de break, égalité, mais 3 de convertis, une de plus hein, que les Espagnols. Et surtout 3 points décisifs. Et là, mentalement, ça peut faire mal. Hein. Ça peut faire mal. On sait que c'est important. Attention, attention au danger là de ce premier jeu du deuxième set. Ils sont importants, hein, ces débuts de deuxième set. C'est le moment où il faut serrer absolument le jeu. Ouais, ce break blanc là d'entrée ce break. Ah, il fait un petit peu mal hein, celui-ci, ça refroidit d'ailleurs un petit peu public, on les entend plus trop là. Et bien la réponse concernant les par 3, effectivement, maintenant que les sorties sont autorisées, vous avez pu voir, il y a beaucoup de par 3 entre mardi et jeudi, car les sorties n'étaient pas autorisées. Maintenant que c'est le cas, et que les joueurs sortent très très bien, les joueurs sortent bien. Donc très souvent, le peu de par 3 qui va être tenté, ça va être des par 3 pas forcément très rapides, qui vont être à la limite du par 3 pour faire hésiter le joueur à sortir ou pas. C'est plutôt ça les tactiques employées aujourd'hui. Lorsque les sorties sont autorisées. Vous avez bien répondu hein, concernant les effets sur la vitre, effectivement. Ça va modifier un peu la trajectoire de la balle. Ou, alors lorsqu'il y a d'effet, ça modifie la trajectoire de la balle. Et lorsqu'il n'y a pas trop d'effet, la balle retombe.
Donc oui, Max Moreau est perdu au premier tour des qualifs avec Julien Serin 7-6 au troisième contre les Suédois. Jeunes Suédois, dont l'un qui mesure plus de 2 mètres. D'ailleurs, cette paire-là a été repêchée dans le tableau principal et a perdu hier 6-3 au troisième contre Alex Arroyo et Alex Ruiz. Ils en ont parlé en interview, les deux, Alex Arroyo et Alex Ruiz, à tête de série 1 du tournoi. Donc mise à mal par ces Suédois qui disaient justement, ce match-là, ils les ont joués sans sortie autorisée et disait que c'était quasiment impossible en fait sans sortie quand on joue un joueur qui mesure, en rigolant, ils ont dit 3 mètres. Donc la preuve de l'importance des sorties, à quel point ça nivelle le niveau. Ça montre bien à quel point tous les Français, enfin nos Français là aujourd'hui, méritent et ne démérite rien de ce qu'ils sont en train de faire vu que les sorties sont autorisées, donc plus de nivellement de niveau. Les sorties n'étaient pas autorisées avant aujourd'hui, Freeze. Les circonstances, c'est-à-dire que sur les tournois internationaux comme ça, pour une question d'équité, si au même tour plusieurs matchs se jouent sur plusieurs terrains et que sur au moins un terrain on ne peut pas sortir, personne ne peut sortir. Et comme des matchs se jouaient également à la All-In Country Club, on ne pouvait pas sortir là-bas. Incroyable! Quel amorti là! Allez, c'est bien là de commencer ce jeu de service. À 30-0. Ah, voyez comme celui-ci, ce par 3 là. C'est exactement ce dont je parlais, le par 3 que vient de faire Bastien. Très proche de la grille qui remonte pas tant que ça. L'adversaire de ce fait hésite à sortir ou pas. Donc freine un peu sa course, regarde où va la balle, se perd un petit peu et n'est pas aussi serein qu'il aurait pu l'être sur une balle nettement par 3. Ah, ils ont du mal, hein. Ils ont du mal sur les balles très hautes, ça, sur les chandelles. Ils ont fait quand même pas mal de fautes, hein, sur les balles qui ne frappent pas. Autant Airo, le grand Bautista, dès qu'il est en place pour frapper, il n'y a rien à dire. Mais dès qu'il doit repousser une Bandera ou une Vibora, pas mal d'erreurs, même pour Guerrero, qui a pris beaucoup de risques et qui a pu fauter. Donc c'est pour ça qu'il y a de la place pour nos Français aujourd'hui, vraiment. Ah, ça change tout, hein. Ça change tout dès que Bautista et Guerrero arrivent à tenir sur les lobes. Ce qui n'a pas trop été le cas dans le premier set. Ça a permis assez souvent
à Johan et Bastien de reprendre l'avantage. Voilà, faut voir ce qui se passe un peu après les lobes. Guerrero hein, qui, malgré tout, frappe beaucoup moins que Raiko, d'où les lobes, d'où pas mal de lobes de Johan Bergeron dans sa diagonale. Allez, c'est bien. Une ouverture sur ce jeu. C'est bien volé. Ouais, parfois, on a beau être un aussi bon défenseur que Bastien, on ne peut pas tout remettre. Ça arrive. On le sait hein, que c'est, en plus d'être très bon sur les sorties, c'est l'un des meilleurs défenseurs français, clairement. Les deux, hein, c'est pour ça qu'ils sont aussi difficiles à jouer. Et oui, c'est bien ce match. Il fait la différence hein, en ce début de deuxième set en haut. Bautista, clairement, là c'est très net. Autant il a fait quelques erreurs au premier set, ce qui a permis aux Français de prendre l'avantage, d'avoir cet ascendant. Et vous voyez, il continue. Hein. Il continue, se règle un petit peu en haut. Bautista, va falloir trouver un peu d'autres solutions pour l'empêcher de prendre autant de place sur les lobes. On va voir s'ils vont peut-être essayer de jouer un peu plus en bas pour éviter cela. Elle est dure celle-là, elle est dure cette faute. Parce que Bastien, on l'a bien entendu, hein, j'ai entendu d'ici, qui lui a dit que Fran Guerrero était au fond. Et c'est vrai que celle-là, elle fait mal. Hein. Elles font mal les baradas, les retours de vide que l'on fait dans le filet alors que l'un des deux joueurs est au fond. On sait que l'objectif, c'est juste de la remettre et de revenir au filet. Après, à ce niveau-là, on a un peu peur, hein, qu'il contre quand même. C'est bien ça, c'est bien revenu. Allez, faut surtout pas les laisser s'échapper là. C'est bien. Cette domination dans le point. Ah, et ça offre deux balles là, de double break aux Espagnols, la tête de série numéro 7 du tournoi de ce FIB Gold de Lyon. Ça commence à devenir compliqué là. Compliqué double break pour la paire espagnole. Les joueurs français moins efficaces en haut. Raiko beaucoup plus efficace en haut. Tout de suite ça avantage. Hein.
nettement les Espagnols qui passent devant avec double break d'avance. Allez, il va falloir trouver d'autres solutions. Pierre-Etienne, leur coach, va essayer de les guider. Il les avait déjà remerciés hier d'avoir pu trouver des solutions pour gagner ce match en 3-7 hier face à Victor Mena et Denis Perino. Ils avaient été les chercher jusqu'au bout et ils avaient remercié pour la tactique. Pierre-Etienne, donc est-ce qu'ils arriveront à continuer sur cette lancée et s'appuyer sur le coaching gagnant de Pierre-Etienne? Je rappelle que c'est le dernier match de la journée et que demain une grosse journée nous attend également. Demain, on va avoir tous les quarts de finale avec 4 quarts de finale diffusés sur la piste centrale. 4 quarts de finale sur la piste numéro 2, Palais 1. Suivi le soir des demi-finales femmes à partir de 18h. Les quarts de finale commenceront à 13h. Pas d'écart du tableau féminin à 13h. Notre Française Alix Colombon qui offrira très très fort à faire face à la tête de série numéro 1 du tournoi, Alejandra Alonso. Andrea Ustero jouera après le match de 13h sur la piste centrale. Et on espère une victoire des Français. Si c'est le cas, ils joueront à la suite d'Alix sur le central également. Le vainqueur de ce match affrontera à la tête de série numéro 1, match de gala pour le vainqueur de ce match, qui affronteront donc Alex Ruiz et Alex Arroyo. Avec une victoire facile aujourd'hui pour eux. Là, ils ont un peu remis les pendules à l'heure après ce match compliqué contre les Suédois hier. Match très solide aujourd'hui. Ils ont très envie de gagner ce tournoi. Et après ce match, on l'espère, des Français demain, aura lieu également sur la piste centrale. Le match sur la tête de série numéro 2, Chosas et Augsburger, qui eux ont eu un peu plus de mal aujourd'hui avec un match gagné en 3-7. Une vraie bataille, Une vraie bataille. Que des beaux matchs auxquels on assiste ici. Quel plateau pour ce FIB Gold magnifique de Lyon au Palais des Sports de Gerland. Conditions incroyables, Les joueurs le reconnaissent. Avec un toit particulièrement magnifique, un peu étoilé, une belle boule à facettes et une hauteur juste incroyable ici. Et chez les femmes, on a le droit d'ailleurs à la présence de Marta Marrero, le retour, la légende Marta Marrero, associée à Barbara Lasseras qui jouera contre la tête de série numéro 4 du tournoi. Carolina Orsi, Nouria Rodriguez, gros match en perspective également. En dernier match également sur la piste numéro 2. Très grosse confrontation là entre Gonzalo Rubio, Pablo Lijo et Diestro Garcia. Allez, il faut rester au contact, c'est important là, de gagner son jeu de service déjà. Allez, c'est bien. C'est bien, il faut continuer. On a vu des retournements de situation, que ce soit dans les matchs féminins ou masculins, avec des débreaks. Un peu dans tous les sens. Aujourd'hui, c'était un peu festival de break, vraiment sur tous les matchs. C'est pour ça qu'il faut forcer leurs adversaires à servir. Voilà, merci Monsieur Bergeron. Allez, on va les forcer à servir pour le gain de cette deuxième manche. Comme dit l'Espagnol, hashtag no comme Isaac.
Allez, on revient tout de suite, hein, après une petite page de publicité. Allez, c'est maintenant les gars. À voir. Allez. J'allais dire, on va voir, c'est un peu ce qui s'est dit au changement de côté. Et là, déjà, on a pu voir qu'il a essayé de jouer deux balles en bas. Ouais, j'allais dire aussi un peu plus lobé Guerrero. Arriver à lobé en tout cas, là en bas. Et là, très bien. Voilà, lobé. Allez. Allez, c'est bien. Ça a forcé aussi, hein, à force de lober Guerrero, s'ils arrivent à bien le lober, même tentant des lobes un peu rapides, ça a forcé Bautista à aller chercher de son côté. Ah, il s'en veut là, hein, il s'en veut, ça fait deux fautes en essayant de jouer en bas. Après, voilà, il se met la pression aussi, hein, il a envie de bien faire. Ah, il va y aller. Facile, il va y être. Bastien. Eh oui, ça sort de justesse. De justesse, ça touche le haut de la grille, mais c'est sorti. Allez, 31. Allez, les gars. Allez, Français. On est derrière eux. Allez, encore. Allez, sans courage. Elle va sortir celle-ci. Allez, si je vous ai deuxième manche pour les Espagnols. Allez, Joanne au service pour entamer cette troisième manche. Autant je disais que le premier jeu de la deuxième manche était important, mais alors la troisième. Ah. De la troisième manche, on doit faire ce qu'on appelle serrer le jeu.
Et les lobes, hein, beaucoup plus efficaces, hein, des Espagnols. On voit quand même beaucoup moins d'opportunités pour les Français de se matcher. Sur celle-là, oui, après trois lobes. Et oui, celle-ci, il n'a pas fait remonter la balle. Bah, si elle n'était pas si haute que ça, il a attendu le dernier moment pour masquer un petit peu, la prendre un peu plus basse et la jouer plus longue. De ce fait, très compliqué, même du coup impossible pour Airo de venir contrer. Vous voyez, hein, la solution, ça fait plusieurs fois, hein, qu'ils viennent bloquer sur les lobes. Ils viennent vers l'avant, ils viennent bloquer et ils surprennent un peu Johan quand ils viennent bloquer, quand ils les voient préparer en bandera ou en vibora. Ils sont déjà en danger, hein, sur leur premier jeu de service à 15-30. Voilà, c'est... Il finit pas. Il va l'avoir. C'est bien, ils ont été vigilants, mais étonnant là. Hein. Étonnant que Bautista n'ait pas fini. Ah, il s'en veut. Hein. Voilà, ça, sur son visage, il s'en veut vraiment. Il se dit, mais pourquoi? Pourquoi je n'ai pas terminé cette balle? Lui qui est d'une agressivité, en plus très court ça. Essaye de feinter. Encore. Bien joué ça, superbe, bien battu. Parfait. De lobe assez court, hein, dans le jeu des Espagnols. Pas été bon sur les lobes. Et tant mieux pour les Français, j'ai envie de dire. 1-0, ils passent devant, on valide. Et je rappelle, hein, qu'on est au troisième set, dernier huitième de finale de la journée, pour se qualifier pour les quarts de finale, pour ce FIB Gold de Lyon, pour affronter la tête de série numéro 1 demain, Alex Arroyo, Alex Ruiz. Les Français qui sont au troisième set, les Français, hein, Johan Bergeron, les Français que vous voyez en noir, en t-shirt noir pour les deux, Johan Bergeron, classé 138e mondial, Bastien Blanquet 119e mondial, qui joue Bautista 35e, Guerrero 41e, et ils sont coude à coude avec cette équipe tête de série numéro 7 du tournoi. Pour vous dire, avec leur classement, ils ne sont quand même que tête de série numéro 7. Pour vous dire le plateau du tournoi de ce FIB Gold de Lyon, qui est assez impressionnant. Parce que pour un FIB Gold, deux joueurs top 30 qui sont seulement tête de série numéro 7, ça n'arrive pas souvent, quasiment jamais. Il va l'avoir. Ah, il a touché le filet. Touché le filet, c'est bien. On met. Allez, 30-0. Alors autant ils ont été un peu moyens sur les lobes du premier jeu, les Espagnols. Par contre, Bautista toujours aussi efficace en haut, hein, pour le moment. Toujours pas de cadeau malheureusement, même si on aimerait. Le niveau des deux, hein, est assez hallucinant. Je trouve que le retour de cette paire-là, Johan et Bastien, pour le moment, est un vrai succès. Déjà, hein, au Greenwiz, Paris Major, ils nous ont fait un beau spectacle. On a déjà vu ce niveau assez incroyable. Ils en parlaient, hein, hier pendant l'interview d'après-match. Qui sentaient qu'ils étaient sur la bonne voie tous les deux et qui sentaient très bien sur le terrain ensemble.
Et les résultats le confirment. Clairement. Parce que je rappelle qu'hier, ils ont gagné en 3-7 contre les numéros 57e et 71 mondiaux. Hein. C'est déjà une énorme performance. Ça, c'est à préciser. Hein. Cette perf d'hier, pas négligée. Ouais. Il le sait, hein, que la tactique, elle était là. C'est important, hein, le double lob au padel. Il a voulu la relober, Bautista, après son premier lob, avec un lob un peu rapide, là, en revers. Malheureusement, un peu court, même si, tactiquement, c'était le coup à jouer. Ah, il se retrouve en danger, là. Dès le début du troisième, sur l'enjeu de service. Ah là, même, c'est même très, très en danger. Attention, attention à eux. 4 balles de break à sauver. Allez, faut prendre son temps là. Faut prendre son temps. Aspirer. Au fond le tir, au fond le tir. Allez. Bien ça, bien, bien. Bien avancé hein, sur la volée. Bel engagement. Allez, il faut montrer hein, qu'ils sont présents physiquement, comme le premier set. Cette intensité physique, ils avaient mis cette présence aussi au filet. Comme je l'ai dit, hein, moins évident. Ça va un peu mieux. Très, très bien, ça. Très, très bien. Allez, ça s'encourage, ça reste positif, c'est super. 30-40. Allez, encore deux. Encore deux. C'est long hein, quand on a le point décisif, malheureusement. C'est pas comme les avantages. Ah, point décisif, quand on est à 0,40, on a quand même 4 balles à chaque fois de break à sauver. Encore une fois, hein, vous avez vu, hein, ils viennent bloquer. Hein, spécialement Bautista. Eh oui, hein, ils ont la solution et ils n'arrivent pas à sortir de ce schéma tactique, Johan et Bastien. À chaque fois, Bautista vient bloquer et il reprend l'avantage dans le jeu et on se retrouve à break 2-1 pour les Espagnols pour la tête de série numéro 7 qui passe devant. Allez, on se retrouve après la pub. Effectivement, hein, Chris, hein, ça se complique. Allez, salope. Allez, c'est bien. Salope Guerrero. Ici, encore une fois, hein, ça vient bloquer. Airo, toujours pareil. Il vient bloquer et ils reprennent le filet. Sauf que ça relope Guerrero, donc ça, c'est bien. Voilà. Et le seul moment où il va lober un peu Airo, je sais pas si vous avez vu, ça va être des lobes un peu plus croisés, un peu plus rapides dans sa diagonale. Bastien. On va peut-être venir un peu plus bloquer, effectivement, un peu comme Airo, hein. Les banderas de Guerrero. Allez,
C'est bien, c'est bien. Allez, c'est ça. Ça change tout, hein. Ça change tout. De bien lober. Ah, il comprend pas là. Il comprend pas Guerreiro pourquoi il ne lui a pas laissé en volée de coup droit alors qu'il avait servi sur le revers. Qu'il allait chercher Guerreiro de son côté. C'est dommage, c'était ça. Hein. Vous voyez là, lobé Guerreiro. Derrière Joe, il a pu lober rapidement Bautista pour regagner le filet. Le jeu, il est là. On va y aller. Et c'est raté. Allez, 15-40. Trois occasions de revenir à deux jeux partout pour nos Français. C'est bien, ils arrivent à mettre des choses en place là. Superbe là, quel blocage de Bastien qui s'est raté une fois dans le jeu, mais pas deux. Ah, ça égalise à deux partout dans ce troisième set. Ah, regardez ça, écoutez ça. Le public qui se chauffe, qui encourage, qui veulent cette victoire française, cette performance. Qui peuvent aller chercher. Hein. Et ils vont le faire, on y croit. Guerreiro hein, qui vient encore bloquer. Et voilà. Et c'est l'opportunité derrière. Et c'est à chaque fois l'opportunité. Hein. À chaque fois qu'ils arrivent à mettre en place ce schéma de jeu, quasiment à chaque fois, ils gagnent le point. Guerreiro, Bautista. Alors après, à chaque fois que Bautista vient bloquer, spécialement sur Joe. Pourquoi pas rejouer aussi sur Guerreiro. À chaque fois que il monte tout seul Bautista. Guerreiro qui reste au fond et pourtant, cette fois-ci non, mais pourtant ça joue un peu plus sur celui qui a la volée. Là, c'est étonnant. Là, ça, c'est bien. Malheureusement, celle-ci, elle a pris un peu l'angle de la vitre, ralentit un peu la balle qui n'est pas remontée autant qu'il aurait voulu, Bastien. Et on se retrouve à 15-30. Et ça pardonne pas. Hein. Alors, ça arrive hein, très souvent hein, au padel qu'il y en ait un seul des deux qui monte en fonction de la balle que va jouer. Que va jouer celui qui se match. Et je ne sais pas si justement tu as remarqué hein, Pierre, mais très souvent il monte sur la bandera de Joe le long de la ligne. Car Joe a beaucoup moins d'angle en fait. Parallèle, on a quand même beaucoup moins d'angle que dans la diagonale. Ouais. Et c'est assez étonnant hein, qu'à chaque fois Joe je rejoue sur Bautista quand Bautista monte. En fait, on laisse le terrain beaucoup plus découvert quand on monte dans la diagonale. Que lorsqu'on monte le long de la ligne. On apprend beaucoup ça, hein, à monter parallèle. Et
Eh oui, 4 points. C'est bien ça. Et vous voyez, cette fois-ci, de la réussite hein, avec la grille. Hein. Voilà. La grille nous est parfois favorable. Parfois non, parfois oui. Pas savoir. Allez, 30A. Il est important celui-ci. Hein. Fou. J'espère avoir répondu à ta question, Pierre. Surtout, hein, en plus de ça, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il y a des joueurs qui vont être plus à l'aise en bloc que d'autres. Hein. Ça aussi, ça joue. Hein. On va avoir des paires hein, de temps en temps où il y en a un qui est très à l'aise en bloc, l'autre plus à l'aise après les vitres. Et donc, un des deux qui va rester au fond pour travailler et laisser l'opportunité à son partenaire de rentrer en bloc. Allez, 40-30, il faut aller chercher celui-ci. Ouais. Il fait mal, hein. Il fait mal, Bautista. Hein. Allez, point décisif de partout, moment important. Égalité parfaite, 1-7 partout, 2 partout, 40A, 3ème set. Nos Français, outsiders, face à des paires autour de la 40e place mondiale. 8ème de finale. Sans, hein, les Français beaucoup moins à l'aise en haut. Hein. Allez, 3-2 break pour la tête de série numéro 7. T'es pas évidente à jouer hein, celle-ci, la volée de Bastien. T'es pas loin de le toucher, hein. Raiho, Bautista. Chris qui commence à avoir peur. Moi aussi, je tremble un petit peu, mais en même temps, ils ont breaké quand même pas mal de fois hein, depuis le début du match. Alors confiance en nos Français, voyons. Ils ont débreaké déjà une fois, ils le feront, ils le referont. On va faire confiance. Il va y aller. C'est raté. C'est raté, mais d'une bonne manière. Pas assez haute. Pas eu le temps, Bastien, de la contrer. Ceci, 30-0. Allez, à deux points de confirmer leur break. Les Espagnols. Ah, c'est... Ça, à quel point que c'est bien battu. Allez, allez, allez.
est pas loin. Qu'il est pas loin, Joe. Ah, c'est dur, c'est pas mérité là, c'est pas mérité ce point, c'est dommage. Allez, encore, c'est pas grave, ils y sont là dans le jeu. Hein. Ils y sont dans le jeu, ils sont présents. C'est bien, ils montrent qu'ils sont là sur les retours. C'est important. Tous les jeux, hein, tous les points, se battre, montrer aux adversaires qu'on est présent, qu'on peut breaker jusqu'au dernier moment, qu'on a des ouvertures. Allez, ce sera pour le prochain. Déjà, ce jeu de service-là, primordial. Allez, s'imposer sur celui-ci. Hein. S'imposer physiquement, ne pas perdre le filet. Ne pas laisser Riho regagner le filet sur ses blocs. Ah, c'est assez court, c'est bien. Allez, merci pour ce lob. Merci pour le retour, Guerrero. Ça fait plaisir, 15-0, on prend. Parfait, parfait ça. Et oui, voyez là, Raifo, il est venu bloquer. Bastien a joué sa Vandera, sa Vibora sur Guerrero qui était resté au fond. Ça rejoue à la volée sur Joe. Et du coup, la possibilité de rejouer, d'agresser Raifo qui reste au filet. Ça. Oui monsieur Blanquet. On adore Tranta pour offrir une balle de 40-30 à Tranta faire ça. Magnifique. Allez, balle de 4 jeux à 3. Et ça, c'était sûr. Et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, celle-ci, là. Cette volée tranchante qui nous avait tant plu au premier set. Tellement fait la différence, cette volée de coup droit dans laquelle il rentrait, là, dans cette balle. Allez, on en veut plus, on en veut plus. Page de publicité, on revient dans quelques instants pour le débreak français, bien évidemment. Avec 15-0. La touche.
Alors celle-là, ce contre-là, je pense qu'il a même contré avec l'autre face de la raquette. Assez incroyable. Fallait la faire. Hein. Ça aide de mesurer 1m90. 1m91 exactement. Rairo Bautista. 30-0. Oui, oui. Allez, ça fait plaisir. Un smash un peu raté qui laisse l'opportunité à Bastien Blanquet de contrer facilement. Aisément celle-ci. 35, c'est bien, c'est bien. Il reste au contact dans le jeu. C'est important. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Il faut montrer qu'ils sont là. Chaque point. Eh oui. Ah, c'est bien joué cette vibra. Bastien qui avait un petit peu avancé hein, sur le lob. Sur Rairo Bautista. Il avait avancé légèrement et du coup il s'est retrouvé un petit peu en retard sur la vibra de Rairo. Petite erreur là, il pensait qu'il allait frapper. Allez, 3 balles pour mener 5-3. Se retrouver un jeu de la qualification au quart de finale. Ah, il n'a pas vu celle-ci, il n'a pas vu. Allez, 5 jeux à 3. Allez, Français. C'est maintenant qu'il faut recoller à 5-4, les forcer à servir pour le gain du match, leur mettre la pression aux Espagnols. Ils l'ont, hein, ils l'ont. Ils savent qu'ils sont tellement favoris, ils peuvent se la mettre la pression s'ils servent pour le gain du match. Mais intraitable en bloc, Bautista, vraiment. Très bien rentré hein, de la part de Guerrero sur la volée de revers. Il avait anticipé, vu que Bautista était resté au fond, il savait que Joan allait rejouer le long de la ligne. Il est venu surprendre. Cette pression constante là que met Bautista depuis le début du deuxième. Ça paye, hein, vous voyez, à force de mettre la pression, de venir de temps en temps, bah, ça rate en haut. Ça craque là, hein. Ça craque un petit peu de la part de nos Français. Allez, on s'accroche là. C'est pas le moment, faut se reprendre, le public là, faut qu'ils encouragent, voilà, ils sont un peu derrière, ils encouragent. Il en faut un peu plus, tenez leur d'énergie. La touche. Ça sort de quelques centimètres pour offrir cette victoire à la tête de série numéro 7, Bautista Guerrero. Quel match! Et le public qui se lève, hein, qui reconnaît la performance tout de même des Français qui ont réussi à faire trembler cette tête de série 7, numéro 35 et 41e mondiaux. Bravo! Bravo à nos Français, ils nous ont fait frissonner. Hein. Moi, j'en ai eu des frissons là, hein, pendant ce match, vraiment. On y a tous cru, eux les premiers.
Et puis hier, hein, ils s'étaient préparés pour ce match, pour aller chercher la victoire. Ils savaient qu'ils pouvaient le faire. Ils les connaissent et ils savaient que c'était possible. C'est dommage. C'est dommage vraiment. Oui, Pierre, effectivement. Et Bichette, très bon. Ouais. J'adore ce surnom. Hein. Ce surnom sur YouTube. Bichette, c'est Mélissa Martin qui commente. Voilà. Je voulais savoir. Et on sera là. Hein. On sera là encore demain. Et malheureusement, pas pour le quart de finale de nos Français. On espérait tellement voir ce quart de finale contre Alex Arroyo et Alex Ruiz. Ce sera tout de même un beau match, hein, ces Espagnols, face à Arroyo et Ruiz. Merci à vous. Hein. Merci de nous avoir suivis toute la journée. Vraiment, vous avez été au top. Beaucoup de là de spectateurs hein, ce soir. On voit, hein. On voit que après ce premier set dominateur, les Français, les Espagnols ont vraiment renversé la tendance. Même si Joanne et Bastien ont été meilleurs sur les points décisifs, mais ils en ont eu finalement, après le premier set, pas mal sur leur service à sauver. Et 80 points à 67. Voilà. 13 points de plus pour les Espagnols pour passer en quart de finale. Ah, on y aura cru. On aurait pu avoir deux exploits aujourd'hui de Joanne et de Bastien. Et hier de Dylan Guichard et de Clément Gins, qui pareil ont amené au troisième set les Wolfsberger et Alex Chozas.